Bonsoir à tous. Donc, on va faire une autre vidéo raid sur la série des défenses qui sont plus fragiles. Donc, ici, on a une défense avec 5 échos, 5 héros rouges. Donc, le risque quand on met une défense avec toute la même couleur, c'est de se faire affronter contre une équipe d'attaque qui est toute la même couleur. Et souvent, quand on voit ce type de défense-là, c'est soit en jaune ou violet, car le jaune est fort faible contre le violet. Et inversement, là, ici, c'est full rouge, je vais l'attaquer avec 5 bleus. Tous mes héros sont forts sur les siens, puis lui, il est faible sur tous mes héros, donc je vois pas vraiment l'idée en arrière de ça. Puis le risque quand on attaque. En mono, souvent, c'est que nos tuiles, ils vont pas. Une fois sur deux, ils vont pas aller frapper un héros en puissance. Donc, nos trois tuiles, ils vont pas tuer un héros. Mais là, nos tuiles bleues, peu importe où ce qu'ils vont frapper, ils vont frapper avec full de force. Donc, ça risque d'être un combat qui va être assez rapide. Donc, 4100 de puissance, on. Essayer de pas mettre de 5 étoiles. Donc voilà, on est à peu près 800 points de puissance en dessous, puis ça devrait quand même être capable de passer. Donc c'est parti. Donc voilà, dès que on était capable d'envoyer un peu de tuile bleue, là, peu importe ce que ça frappait, ça fait toujours beaucoup trop de dégâts. Puis là, c'est zéro, ils n'ont même pas eu le temps de s'activer. Mais si ça avait activé, ça aurait pas fait tant de dégâts dans mon équipe d'attaque. Donc, défendre en mono couleur, c'est des choses qui ont été évitées. Sur ce, bon jeu à tous.